j'adore tout particulièrement, c'est quelque chose que l'on peut faire, peu importe de quoi on parle sur notre chaîne en règle générale. Et je trouve ça vraiment super, ça semblait plusieurs youtubeurs et je trouve ça vraiment chouette. Donc moi pour l'instant je suis toute seule, ou du moins j'ai un double de moi. J'ai une autre personne qui va venir faire la vidéo avec moi, puisque Sarada Uchiwa sera là d'un instant à l'autre. C'est la première fois que je tourne cette vidéo et c'est la première fois aussi que je vais faire le montage qui s'imposera de faire avec Sarada à côté de moi. Donc bien évidemment c'est mon cosplay de Sarada, donc ce sera un double de moi. Et j'espère que je vais réussir à m'en sortir à tourner cette vidéo, parce que ça va pas être simple du tout. Du tout. Je me simplifie pas du tout la tâche pour le commencement, mais c'est pas grave, je pense que ça donnera bien quand même. Et donc le challenge que nous allons réaliser, c'est le Tree Marker Challenge, donc le 3 feutres challenge en français. Et donc on va essayer de décolorier. Donc pour le commencer, on a Boruto, on a Mitsuki et bien évidemment mon invité spécial, Sarada. Et donc le but de ce challenge, c'est de piocher à l'aveugle 3 feutres parmi ceux-là. Donc bien évidemment, j'ai mis ma tasse de Boruto. Hein, on fait les choses bien. Et donc c'est de piocher 3 feutres au hasard. Et après, donc bien sûr, avant de piocher les feutres, on décide si on fait Sarada, soit Mitsuki, soit Boruto. Donc ensuite, on pioche à l'aveugle les stylos. Et avec les 3 couleurs que l'on aura, il faudra qu'on colorie du mieux possible le personnage qu'on aura décidé de faire. Donc, ça c'était pour les explications. Donc je pense que pour commencer, on va commencer par Mitsuki. Allez, on va commencer par Mitsuki. Donc bien évidemment, je vais piocher. On a Mitsuki tous les deux devant nous. Eh bien, je vais piocher à la boue. Alors, ça. Ouh, bonne couleur. Alors c'est un petit peu du turquoise. Ensuite, oh, du bleu encore, bah, décidément. C'est un challenge pour moi. Et ensuite, ah, du violet. Donc voilà, moi j'aurai du turquoise, du bleu ciel et du violet pour faire Mitsuki. Bah, donc maintenant, c'est à moi de piocher les 3 couleurs. Donc j'espère que je vais faire ça à Rada parce que c'est mieux, mais je sais pas si je vais pouvoir. Je pense que je vais y aller. C'est parti. Après, du bleu normal, du bleu foncé. Et après, bah, c'est tout hein, dans la gamme des bleus, donc pour Mitsuki. Bon, peut-être le jaune pour les yeux, ce serait cool aussi que j'ai. Donc on va voir. C'est parti. Oh, donc ça c'est du bordeaux, d'accord, ça commence bien. Ensuite, du beige, ok. Et pour finir, ah, du bleu foncé. Bon, ça fait déjà au moins une couleur pour moi. Donc c'est parti, on va colorier toutes les deux et on se retrouve après pour voir le résultat.
C'est vraiment du rouge, sauf que j'ai pas de rouge, d'autres rouges, du coup je vais prendre ça. Et je préférais vous le dire avant de l'utiliser, que vous ne me dites pas que j'ai changé de marqueur pendant la vidéo. Donc je vais juste aller chercher. Bon, bah, je crois que c'est tout vu. Hein. Bah, si vous faites ça avec mon coéquipier, je pense que c'est au deuxième rang. C'est au deuxième de Boruto. Et puis on finira par moi parce que je suis l'invitée. Donc on va commencer par Boruto, ça te va? Ok, donc on va prendre Boruto. Donc voilà, pour Boruto. Donc c'est pas un joli que j'en ai mis. Je sais pas si j'aurais peut-être plus de chance vu que je suis en premier. On verra ça. Bon, du bleu. Non, ça va. Du jaune. Quand même du jaune et du bleu, c'est pas tu mal. Tu peux faire au moins et on veut les yeux normalement de bon bleu. Bon, je sais pas si tu vas avoir plus de chance. Du vert. On y va. Bon. Il y a encore le franchage. Bah, du jaune, le vert et vert et bleu. Donc, j'en ai deux. Du violet. Quand même deux bonnes sur. Sur 4 à peu près pour faire un Boruto correct. Donc on va bien voir ce que ça donne. Et le dernier. Du beige. Bon, le marron encore, je peux m'en servir pour faire genre la veste comme si c'était noir. Mais sinon, c'est pas terrible, terrible, terrible. On va voir le dernier round pour vraiment nous départager, je pense, parce que là, dans les couleurs, je trouve que c'est plus Sarada qui a eu de la chance. Bon, bah avec tout ça, je sais pas trop ce que je vais faire.
bonne couleur. Là, je trouve pas franchement que le Beyoncé est mieux. Mais à part ça, c'est pas pour ça que vous départagez vos commentaires, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire puisque c'est comme ça qu'on va se rendre compte si vraiment cette vidéo vous intéresse ou pas. En tout cas, moi j'ai aimé la tournée, c'était très long. Pour le montage, je pense que ça va être très long aussi. Mais j'ai vraiment aimé vous la partager, je suis contente de l'avoir postée. J'espère donc qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous en voulez d'autres de ce genre ou d'autres challenges. Je ferai au mieux pour les réussir. Et voilà. Donc, on espère que cette vidéo vous aura plu et nous on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao.